Salut, salut, salut. C'est compliqué de se parler actuellement, surtout quand tu traces la route comme ça. Ouais, c'est ça. Ulrich, enchanté, j'aime bien ton style. Ah, et tu m'avais l'air adorable. Ah, ok. Ouais, je me suis dit pourquoi pas, que je vais te voir un peu gêné à l'idée qu'un mec te parle dans la rue comme ça, tu vois. Non, ça va, ça me fait pas. Sérieux? Ouais. Je te propose, si tu as Instagram, on peut se l'échanger et puis quand on a le temps, on se fait ça. Hein? Ok, ouais. Ok, j'ai un téléphone portable. Quelque chose qui y ressemble. Vas-y, dis-moi ça. M-I-2-S. Salut. Je t'ai vu tout à l'heure et tu fronces des sourcils, tu vois. Limite, tu marchais comme ça. Je me suis dit, elle, je vais lui dire bonjour. Et forcément, elle va sourire. Forcément, je vais lui apporter de la bonne vibe. J'ai rien dit. C'est juste, je vais t'apporter de la bonne vibe. Et le simple fait déjà que tu aies souri, tu vois, j'ai presque atteint mon objectif. Je m'appelle Ulrich. Et toi? Ah, trop bien. Les femmes mariées et qui ont un enfant, à ce qui paraît, sont très, très originales, très authentiques. Est-ce que c'est vrai? Raccroche une seconde, c'est super important ce que j'ai à te dire. Oui. Vu ton nom verbal, tu vois, je me suis dit, elle attend quelqu'un. Oui. Mais quand je me rapproche, je vois que tu es au téléphone. Oui, enfin, les deux. Ah, tu attends quelqu'un et tu es au téléphone. Oui. Dans le combo, quoi. Oui. Ulrich, enchanté. J'aime ton style. Merci. Tu dégages quelque chose d'artistique. Ah. Et puis, je vois ça, je me dis, c'est vrai, c'est une artiste, en fait. Ouais, c'est dans quelle école, je sais pas. Je sors de l'école. Ah, d'accord. Ah, vous faites quoi? Architecture, ah d'accord, vous faites des représentations. Tu vas rigoler, hein. Quand j'étais petit, j'ai toujours cru que l'architecture, c'était juste de dessiner des maisons, non, tu vois. Ouais. Non, en plus, c'est que vous êtes très ordinateur en ce moment, en fait, ouais, très logiciel. Ouais, et t'aimes bien? Parce que j'ai pas vu la petite lueur dans tes yeux quand tu as dit archi, tu vois. Tu étais en mode architecture encore, putain. Non, ah, entre communication et archi. Communication visuelle, pas communication. Quoi précisément en communication visuelle? C'est tout ce qui est dans le design, publicité, etc. Ah, d'accord. Voilà. Ouais, ça aussi c'est pas mal. Hein. Ça aussi c'est pas mal. Mais à ce qui paraît, les architectes sont très introvertis en fait. Donc, je te suspecte un peu d'être bipolaire. Hein, parce que communication, publicité, ça demande vraiment d'être un peu extraverti. Salut, salut, salut. C'est compliqué de se parler actuellement, surtout quand tu traces la route comme ça. Ouais, c'est ça. Ulrich, enchanté, j'aime bien ton style. Ah, et tu m'avais l'air adorable. Ah, ok. Ouais, je me suis dit pourquoi pas, que je vais te voir un peu gêné à l'idée qu'un mec te parle dans la rue comme ça, tu vois. Non, ça va, ça me fait pas. Sérieux? Ouais. Tu es très différente alors, parce que moi, je sais pas, peut-être j'aurais rougi un peu, tu vois. Ah, c'est... Ah, tu t'appelles comment? Ulrich, enchanté. Tu faisais du shopping, hein? Ouais, bah là, j'ai des rentrées. Ah, d'accord. Travaillais. Ah, tu as bossé aujourd'hui? Ouais. Tu bosses où? Bertha. Sérieux? Ouais. Mais le samedi, c'est pas un peu trop chiant, sachant que c'est normalement le jour que tu es censé profiter? Non, bah non, j'étais en repos jeudi, vendredi. Ah, d'accord. Ouais, tu as eu le temps de profiter. Ouais, c'est trop bien. De toute façon, j'avais dit que tu es hyper courageuse parce que la queue que j'ai vue à Bershka tout à l'heure, ouais, si tu étais une cliente. Non. Non, je suis pas cliente, j'étais en plus, je pense que le samedi, vous devez être surbooké. Ouais, il y a beaucoup de monde, ouais. Et là, tu marchais comment? Je vais pas rester longtemps. En fait, j'hésitais à soit aller à stadium, ouais, soit je rentre, mais je pense qu'il y a trop de monde à stadium. Tant que tu n'as pas regardé, tu sais pas. Hein. Ouais, mais c'est le petit conseil qui va te donner. Après, t'habites où? Dans 77, hein. Ah ouais, c'est un peu loin quand même. Ouais, le temps que je rentre et tout. Là, j'étais vu sortir tes écouteurs. Qu'est-ce que tu voulais écouter comme musique? Il a appelé mon fils. Ton fils? Ah d'accord, il a quel âge? 3 ans. Tu sais que tu fais très jeune. En tout cas, comme ça, tu n'as pas encore enlevé ton masque. Mais comme ça, tu fais très jeune. Et si tu as... J'ai pas compris. C'est bien, j'ai envie d'être jeune, mais je suis pas vraiment jeune. Ah d'accord. Je suis à quel âge, si c'est pas indiscret? Non.
Non, bah, non, non, écoute, écoute, c'est juste ton âge. Après, c'est une conversation comme toutes les autres. On n'est pas obligé de sortir de là en étant en couple, tu vois. C'est juste une conversation. Et c'est, je pense que c'est quelque chose qui nous manque de plus en plus. Après, le corona est pour quelque chose, on ne peut pas en vouloir. Mais ce contact humain, en fait. Mais t'es sûr que c'est pas bipolaire Non. Non, je te taquine. Tu m'as même pas, tu t'es même pas présenté, c'est faux. Hein. Tu t'es même pas présenté. Ulrich, enchanté. Là, il est quelle heure, là? Attends. Je vois pas. Elle a mis l'itinéraire et tout. Ouais. Elle a peur de se perdre à Paris. Mais non, c'est pour aller à la stagiaire. Ah, d'accord. Non, non, mais faut que il est bientôt 17h. Ah ouais, bientôt 17h. Ouais. Mais bref, après, j'ai été dans le 911. Ouais. Alors, moi, c'était pas trop loin, si c'est le 77. Ouais, je sais pas. C'est plus loin? Ouais, c'est loin. Tu trouves que le 77 est plus loin que le 911? Bah ouais. Bah, je sais que j'avais à peu près pour une heure. Ouais, moi aussi, 45 minutes, une heure. Ouais. Ok, tu sais quoi, on marche juste un tout petit peu ici, ça ne te dérange pas. Je reste pas longtemps, moi. Et après ça. Ouais, tu prendras ton transport là-bas, j'imagine. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être dans le prêt-à-porter, demoiselle hein? Bah rien. Ça, c'est pas grand-chose. Ouais, en fait, moi, j'aime bosser, je suis... Attention, je veux pas que tu te fasses écraser. Sinon, je vais m'en vouloir. J'ai bossé chez Mango. Ah ouais? Ta soeur aussi? Ouais. Ta soeur aussi? Et qu'est-ce qu'elle dit de Mango? Bah, ça va, elle est bien. Ouais. Parce qu'après, c'est quand même une structure où il y a extrêmement de pression. Donc, il faut avoir les nerfs solides. Ouais, c'est clair. Attends, tu l'as vu au chocolat là? Là, c'est toujours Châtelet. Hein. Ça dépend de toi. Il est là dans combien de temps, ta copine? Ok, ok. Moi je suis en train de me balader, je vais un peu descendre sur les quais, j'ai fini mon petit shopping, donc je vais descendre sur les quais, voir ce qu'il en est, je vais rentrer chez moi, ouais. Tu m'as l'air un peu blasé en mode, ok, quand tu termines, tu t'ailles. Bonjour. Ah, t'as 30 ans, après tu as un petit accent d'Europe de l'Est, ouais, je dirais même, je vais aller plus loin. Vu que je suis sur la bonne lancée russe. Hein. Non, pas du tout. C'est pas la République tchèque. Qu'est-ce que je voulais dire? Ukraine. Non, pas du tout. République tchèque. Non. Tu m'as perdu. Non, de Moldavie. Ah, Moldavie. Tu es la première Moldave que je rencontre. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, ça va. Maintenant, je sais qu'elles ont de beaux yeux. Ouais, ouais. Ok. Donc, du coup, là, tu vas rejoindre la famille. Exactement. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Avant ça, qu'est-ce que tu faisais? Ah, tu fais à l'école. Comme ça, j'essaie un peu de deviner ce que tu as genre à la fête ou le lycée. Non, c'était au lycée, après j'ai fait une école de photo. Ah, ok. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'était bien. J'ai une petite soeur actuellement et elle adore ça, l'esthétique. Ah ouais? Ouais. Elle suit des formations et fait des stages. C'est bien, c'est avec tes formations, parce qu'on apprend mieux ça à l'école. Ouais. Et comment tu te retrouves du coup dans le prêt-à-porter? Bah, j'ai mon diplôme l'année dernière. Uh-huh. Et je voulais faire des formations et ça y est, je me dépaye, ça veut dire que j'ai commencé à travailler, j'ai besoin de CV. Ok. Ah, du coup, c'est toi qu'elle attendait. Tu as aussi passé faire les courses, on dirait. C'est les courses de Margot. Ah, ok. Ah, quelle amie charmante, t'as vu? C'est moi, elle s'est sacrifiée. Elle a fait les courses chez G20 juste pour toi. Non, c'est moi, j'ai fait les courses, j'ai déposé. Ah, d'accord. Tu vois, elle était déjà en train de sourire et tout. Ok, ok, Margot, tu as retrouvé ton ami. Tu sais quoi, je vais te proposer un chocolat chaud quand on aura le temps. Un chocolat chaud. Actuellement, c'est la base de la base. Ouais, chocolat chaud cookies. Je suis sûr que tu dois aimer. Ok. Tout est fermé? Non, j'ai un secret pour ça. Ouais, mais je te dirai pas. Moi, ça casse un peu le feeling de la chose, tu vois. Comme ça, j'ai l'impression un peu que tu as des origines, tu vois. Ah je sais pas si c'est dans tes yeux ou c'est la forme de tes pommettes, tu vois. Si tu me donnes pas d'indice, ça va être compliqué. Sinon, je vais citer tous les pays du monde, tu vois. C'est ça. Vu déjà ton teint clair, j'aurais un peu dit tu as l'impression, tu es un peu au côté arabe, tu vois. Arabe? Ouais. Non, pas du tout. Voilà, je t'aurais prévenu. Ok, lève ton masque une seconde.
Ah ah! Quel sourire, tu m'as caché ça, c'est pas gentil. Hein. Ok, un tout petit peu Europe de l'Est alors. De l'Est? Ouais. Pas du tout. Portugaise? Ouais. Ah! J'ai un peu hésité. Ok, c'est ton tour. Moi, tu dirais quelle origine? Après, j'ai un accent quand même assez marqué. Hein. Donc, si tu as quelques amis renois, c'est facile un peu de déterminer quelle origine je suis. D'Afrique ou pas? Pas d'indices. T'as refusé de me donner des indices? Bah non, mais ça. Ah, d'accord. Ok, d'Afrique. D'Afrique? Ouais. Mali? Non. Je crois qu'il faudrait que je te. Tu vas bien? Ouais, ça va, et toi? Ouais. Je crois que je t'apprendrai quelques de mes talents de mentaliste. Hein. Mentaliste? Ça me donne un indice, ça? Ouais. Bon. Un indice pour que tu échoues, oui. Non. Par contre, je suis pas très loin du Congo. Alors là, Tchad. Non. Ok, je suis en dessous du Tchad. Tu t'en rapproches géographiquement. Cameroun. Le meilleur pays d'Afrique. Ah, t'as vu? Je sais que tu n'allais jamais trouver. Est-ce que tu connais des bubble tea? Oui. Tu as déjà goûté ou pas? Ouais. Tu aimes bien? Non, pas trop. Sérieux? Pourquoi? Je sais pas. Je pense que tu as goûté chez la mauvaise personne en fait. Non, je pense pas. Ok. Parce que moi j'ai découvert des bubble tea il y a déjà, on va dire, après 1 ou 2 ans, tu vois. Ah ouais? Et c'était pas encore démocratisé comme ça l'est actuellement. Ouais, comme maintenant. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est juste du colorant, de l'eau et quelques boules en dessous. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Je pense que tu vas devoir passer par devant. Si je te dis boisson préférée, tu penses à quoi? Coca. Ok. Sans que tu me cites un plat portugais, sinon tu vas me perdre. Plat préféré, tu penses à quoi? Mon plat préféré, c'est la lasagne. Ah, c'est italiana. Ouais. Pas mal. Je te propose, si tu as Instagram, on peut se le changer et puis quand on a le temps, on se fait ça. Hein? Ok. Ouais. Ok, j'ai un téléphone portable, quelque chose qui y ressemble. Vous êtes dans la même école du coup? Ouais. Une petite seconde. Vas-y, dis-moi ça. M-I, 2-S. Petit point en commun. Hein? Petit point en commun. Attends, mais là, je me suis perdue, là. Non, ça, c'est Châtelet, tu vas passer devant. Ouais, mais moi, je passe pas par là, comme d'habitude. Tu passes par où? Bah, pas par là. C'est tout près de mon magasin. Et actuellement, durant tes périodes off, quand tu bosses pas, qu'est-ce que tu fais? Ah, regarde, je me repose. Je vois mes copines, je me repose. Je vais te laisser juste devant l'entrée là. Comme ça au moins je me serais comporté comme un gentleman, tu vois. Ah, c'est là? Ouais. C'est pas là que tu rentres souvent? Non. Tu sais quoi? Je n'avais pas trop tort, je te trouve sympathique. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on se change d'insta. Comme ça, on reste en contact, toi et moi, du moins. Mais tirer du bas. E-S. Ouais. L-I-E. C'est ça.